Dans le très sympa Overlord, le film d'horreur produit par le génial J.J. Abrams qui sort en novembre sur les écrans américains, il y a de tout. Comme ça se passe la veille du jour J, il y a des scènes incroyables de bataille avec bombardements intenses en plein ciel, avec des gentils GIs qui essayent de survivre pour aller tuer les très méchants soldats nazis. Il y a aussi des monstres pas beaux du tout fabriqués par les savants fous du Troisième Reich. Et il y a même une Française. Welcome to France. La craquante Mathilde Olivier débarque dans un film hollywoodien, une belle première étape pour cette Parisienne qui n'a jamais douté de sa vocation. J'ai eu beaucoup de chance, ma maman n'est pas du tout dans le milieu ni dans le business, mais elle est une cinéphile et elle adore la musique aussi. Donc du coup, j'ai grandi avec les films, les pièces de théâtre, et du coup, quand j'ai commencé à parler, je disais des répliques de films, et en fait, très très jeune, j'ai su que je voulais faire ça. Et à 10 ans, après être allée au théâtre avec ma maman, j'ai dit « Ah non, mais maman, mais c'est ça !» Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a aidée, elle m'a soutenue dans cette décision en me disant « Ok, bon bah, on essaye !» Un peu plus tard, Mathilde essayera aussi l'Amérique. Elle habite à New York depuis quelques années et commence à trouver sa place dans le cinéma américain. Ah, je vis my American dream. j'adore travailler en anglais. C'est une langue que j'apprécie énormément. J'ai commencé à parler anglais il y a 3 ans. Il y a 3 ans et demi, je parlais pas du tout anglais. C'est donc en anglais, mais aussi un peu en français, qu'elle interprète Chloé dans Overlord, une jeune Normande qui va aider les soldats américains venus détruire une antenne de transmission utilisée par les nazis et dissimulée au sommet d'un clocher. Le problème, c'est que dans cette église, les Allemands font bien autre chose que prier. Un film ultra fun qui emmènera au 7e ciel les amateurs de série B et qui permet à Mathilde de jouer une femme forte, volontaire et indépendante, exactement ce qu'elle aime. C'est une chance incroyable que d'avoir eu la chance de jouer Chloé et de l'interpréter. Je viens d'une famille de femmes. J'ai grandi avec ma grand-mère, ma maman et ma petite sœur. Et c'est des femmes très fortes. Et du coup, ça m'a définitivement aidée de mettre cette force et ce courage dans Chloé. Pour être tout à fait honnête, Overlord n'est pas un grand film féministe, mais un bon petit film d'horreur comme on n'osait plus en faire. Avec dedans une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux, une vraie découverte, la Française Mathilde Olivier.